Les derniers hommages étaient rendus au panafricaniste syndicat de Colo. Ce mardi, une messe de suffrage était dite en Grande-Bretagne avant la mise en terre et simultanément à Kinshasa, une cérémonie d'hommage était organisée au musée national. Plusieurs personnalités ont signé le livre de condoléances. Ce digne fils du pays est arraché précocement aux culturels, voire aux politiciens et pris d'un esprit républicain. Ah.